Vous avez raison. Et ça n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Vous étiez ensemble, David. Est-ce que c'est pas préoccupant, inquiétant? Est-ce que c'était pas un peu un examen de passage dans ta tête, comme ça, que de présenter ces chansons à Johnny? Si, mais enfin, pour moi, tout était un examen de passage, quoi. Mon album, le sien en plus, après, c'était vraiment... C'est vrai que c'était un poids très lourd sur mes épaules. Et puis en fait, quand tu te noies dans l'écriture et tu commences vraiment à bosser sur des trucs tous les jours, tu perds un petit peu ta conscience, la conscience du réel, et tu te lances dans... Tu te fonds dans ce que tu fais et tu oublies un petit peu le côté dangereux et difficile. Donc... Ouais. Alors, nous allons maintenant parler, après avoir parlé de l'album, parler de la scène, parce que c'est ça aussi ce qui vous motive, hein, l'un et l'autre, toi avec l'Olympia dans quelques jours, toi avec ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre, et des étapes assez exceptionnelles. La tête des hits parades, enfin, et c'est pour la bonne cause, David, en place, parce que c'est pour toi maintenant. Ah, d'accord. Allez, David Hallyday.